Ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, directrice de la Maison de Solène à l'hôpital Cochin à Paris et auteur de Nos enfants demain chez Odile Jacob. Bonjour Marie-Rose Moreau. Bonjour. L'amour quand on a 20 ans n'est pas celui quand on en a 13 ou 14 et la relation sous emprise, les ados qui pensent être amoureux, c'est votre quotidien à la Maison de Solène. Voici donc Vanessa Singora, 47 ans, qui nous livre cette cruelle vérité sur la relation qu'elle a eue avec Gabriel Matzneff, auteur à succès dans les années 80, que d'ailleurs certains découvrent à peine aujourd'hui. Même s'il n'y a pas de mode d'emploi, je suis très cruel et très cru, il n'y a pas de mode d'emploi de la relation sous emprise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer son fonctionnement ? En tout cas, je pourrais vous l'expliquer du point de vue des adolescents et de ce qu'ils en disent sur le moment, mais et après, hein, parce que justement la notion de relation sous emprise, donc d'une relation sexuelle et affective entre un adulte et un jeune adolescent, c'est une emprise dans la mesure où les deux ne parlent pas de la même chose, ne vivent pas les mêmes choses, ne sont pas au même niveau d'échange. Et donc, c'est un malentendu violent et souvent très destructeur pour les jeunes adolescents. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de rencontre, c'est une illusion. C'est au service de l'adulte, au service du plaisir, au service de ses envies. Vous voulez dire qu'on devient la chose de l'adulte? Mais en aucun cas, c'est réciproque. Oui, mais une chose que les adultes détruisent, consciemment ou pas, ça fait extrêmement mal aux jeunes adolescents. Et donc, c'est une chose au sens de, oui, on ne respecte pas ni le développement, ni la subjectivité, ni le choix. Parce qu'en réalité, l'adolescent, il ne peut pas dire non lorsqu'il est dans cette position où on le contraint d'une certaine façon. Pourquoi il ne peut pas dire non ? Ben, il ne peut pas dire non parce que pour dire oui ou non, il faut savoir ce qui nous attend, ce qui va se passer et ce que ça va nous faire. Donc je peux choisir dans ce cas-là. Mais en fait, dans cette situation asymétrique, l'adolescent ne peut pas choisir. Parce qu'il y a un malentendu fondamental dans, par exemple, il pense qu'on va lui donner de l'affection et en fait, on va l'instrumentaliser pour du plaisir sexuel. Donc, il y a quelque chose de profondément asymétrique entre les deux. Parce qu'il y a un embryon de sexualité chez l'adolescent face à un adulte qui a déjà une sexualité épanouie? C'est pas un embryon. La sexualité, elle se développe tout au long du bébé jusqu'à l'âge adulte. Il y a une sexualité, mais c'est une sexualité adolescente. C'est-à-dire, c'est une sexualité en maturation. C'est une sexualité qui s'expérimente. C'est pas la même que celle des adultes. Et, oui. Et on parle pas. En fait, on emploie le même mot, mais c'est deux. Enfin, c'est des choses qui se construisent. Et tant qu'on n'est pas adulte, on n'a pas cette sexualité adulte. Et l'admiration qu'on porte pour l'adulte nous interdit, les adolescents, de parler ? Eh bien, ça ne l'interdit pas de parler, mais c'est tellement disproportionné, violent et c'est pas anticipable par l'adolescent que effectivement il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité. Mais c'est comme vous savez, c'est comme dans les événements, lorsque vous avez un événement traumatique, là il est sexuel, mais dans d'autres, ça peut être de d'autres natures parfois, vous ne pouvez pas non plus résister, trouver les mots pour dire ou pour se protéger. Vraiment, c'est la marque du trauma, le fait qu'on puisse pas se sortir de cette emprise, de cette violence, de cette effraction. Comment est-ce que on se reconstruit ? Est-ce qu'il y a malheureusement des drames, des suicides, des gens qui n'y arrivent pas ? Alors oui, c'est très profond, hein, la blessure de ces adolescents, et donc on doit reconstruire à plusieurs niveaux. Il faut d'abord sortir l'événement traumatique, parce que souvent il y a des souvenirs, des résurgences, il y a des moments qui peuvent avoir fait tellement mal qu'ensuite ils reviennent en boucle pendant des mois, voire des années. Ils reviennent le jour, ils reviennent la nuit, ils reviennent dans certaines circonstances de rencontre, quand un autre adulte vous rappelle celui-là, par exemple. Donc il y a toute cette résurgence. Et puis après, il y a le fait que cet événement traumatique va empêcher l'adolescent d'être
de continuer son cours normal et de il va avoir peur. Il va avoir peur, par exemple, un certain nombre d'entre eux ont des symptômes anxieux, n'arrivent pas à aller à l'école, ont peur de se retrouver avec des adultes en face à face. Enfin, donc il y a tout un cortège comme ça. Et effectivement, parfois, cette répétition est tellement forte qu'on en perd l'envie de vivre. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est vraiment très grave. À l'époque, et on l'a vu notamment dans cette séquence qu'on a repassée dernièrement, cette séquence sur le plateau télévisé de Bernard Pivot, on a vu qu'il y avait une sorte de à la fois de nonchalance et de tolérance envers ces faits. Entre-temps, les pédophiles sont devenus des pédocriminels. Est-ce que vous avez l'impression que ça progresse ? Moi, je trouve pas tant que ça. C'est-à-dire, vu du côté des enfants et des adolescents, bien sûr, on dit, c'est de la pédophilie, mais les victimes de pédophilie sont toujours extrêmement nombreux et nombreuses, hein, plus de filles encore que de garçons, mais les deux sont possibles, sont très nombreuses. Les adultes hésitent parfois à dénoncer aussi, hein, à dire à la justice, à la police, à la justice ce qui s'est passé, parce qu'on a toujours peur des conséquences, c'est-à-dire que les conséquences pour les adultes semblent plus importantes que celles pour les enfants. Or, devant une situation comme ça, pour que l'enfant, l'adolescent puisse se reconstruire, il faut au moins dire que c'est pas normal, que c'est pas possible, que c'est pas comme ça que ça doit se passer, et ensuite on va pouvoir réparer. Mais pour ça, donc, il faut signaler, dire non, c'est pas possible, c'est mon corps et c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis après, c'est toute la reconstruction des enfants et des adolescents, mais avec des étapes. Parce que la vie, les rencontres ensuite peuvent vous rappeler encore que c'est pas totalement cicatrisé. Donc il faut reprendre parfois, c'est en plusieurs étapes. Eh bien, merci de vos explications, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre et auteure du livre « Nos enfants demain » aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci, au revoir.